dans le ballon, hormis 2-3 fois où les Marseillais. Oh la frappe! Oh, oh, oh la frappe! C'était un hasard exceptionnel! Même lui ne revient pas! Bien la famille et tout, le chat, le chien, tout le monde va bien. Alors là, c'est un match à 50 000. Un match à 50 000 qui a été réalisé il y a pas très longtemps. Je l'ai mis à un moment où justement j'étais pas très concentré. Ça se voit, ça se verra. Tu verras en termes de précision, tu vois, rien que là, ça se voit. Et du coup, bon, je l'ai quand même mis parce que là, j'avais que ça sous la main et que arrivent des matchs de ouf que j'ai joué il y a pas longtemps qui là seront beaucoup plus intéressants. Mais celui-là est bien quand même. Mais bon, c'est pas grave. On lui laisse le premier but. C'était juste histoire de s'échauffer et aussi de faire croire à son adversaire qu'on n'est pas très bon. On dégage sa défense parce que là je me dis bon ça sert à rien de tenter d'aller de mon côté maîtriser une défense si de son côté c'est bien défendu, donc autant tout casser. Et donc là lui essaye de tout refouer, là ça dure un petit moment puisqu'on est tous ensemble rassemblés dans le coin haut gauche et que à un moment ou à un autre j'attends juste le moment. Et là ce moment là le couloir est super fin, mais je veux le prendre. Et j'ai vraiment envie, je vous laisse la ligne pour que vous puissiez voir, de suivre ce couloir. Et voilà, ça passe pas. On essaye quand même. Ensuite, là, tu vois, on se pose la question. Je me dis, putain, mais sur quoi je vais m'appuyer? Sur quoi je m'appuie? Je dois rebondir. Je m'appuie forcément sur son pion, mais pas au mauvais endroit. Faut pas que je parte de travers. C'est pas mal parce que tu vois, ça m'a permis de partir du bon côté, mais pour autant, elle n'est pas rentrée. Cela dit, ça se termine par un but, donc c'est top, quoi. Et on repart, donc là il y a 1-1 entre moi et mon adversaire. Et on repart pour essayer de retenter de marquer de mon côté, puisque il faut savoir que les matchs en 50 000 se terminent en 2 buts. Juste avant on avait une action vraiment naze et j'en ai fait quelques-unes, c'est pour ça que j'ai essayé en accélérer, parce que même pas j'ai ralenti, parce que voilà, c'est pas le match idéal, c'est pas le match top que je réalise, c'est plutôt un match pas top, pas trop top, mais je le mets quand même parce que c'était un match à 50 000 et que ça me faisait plaisir qu'on voit aussi par moment, même si je me rate, on peut quand même gagner un match à 50 000 comme ça tranquille. Va suivre ensuite un match à 10 000. Ce match à 10 000 se joue contre un level 70. Alors je sais pas si on va voir le nombre de pourcents parce que je n'ai pas du tout le moindre souvenir de son ratio de victoire. Mais voilà, c'est un gars, si je mets le match, avec qui on s'est plutôt bien battu et où les buts ont été plutôt intéressants. Là, des deux côtés, on est bien protégé. J'essaie de péter sa défense, mais vraiment un cassage inutile. Et là, une très belle percée de sa part. C'est pas simple à faire. Franchement, bien réalisé. Et voilà, ça fait le taf puisque ça marque un but. Là, je vise le tout petit trou, tu vois. Le tout petit trou. Il est vraiment petit entre les deux. Et ça ne se joue qu'en rebond. T'es obligé de rebondir sur celui du bas pour repartir sur celui du haut. Voilà, tout ça c'est négocié dans mon cerveau avant le tir, tout se prépare et ensuite bah voilà, ça se met en place quoi, hein, tu vois, et tout roule. Là je protège, je temporise parce que bon il est bien trop protégé pour que je puisse voir quoi que ce soit. Je sens pas trop par rapport à l'endroit où c'est, mais j'ai envie de la faire rentrer par le bas. Et la précision de merde qui te vaut en plus un but, donc ce qui fait que lui est à 2-1. Et que donc il va falloir remonter tout ça, ouais. Donc là il y a un petit trou et regarde bien où j'ai visé. Rien à voir. Alors que je l'ai indiqué juste avant. Hein. On a vu où j'allais tirer plus ou moins. Et effectivement ça n'a rien à voir. Bon, je suis un peu plus fort en pénétration lorsque je dois justement rentrer dans la défense et tenter de marquer un but. Et donc là, ça va prendre un peu de temps parce que de son côté à lui, forcément, il faut qu'il dégage ma défense. De mon côté à moi, je dois simplement tenter de marquer. Là, ce que vous voyez, c'est ce que je voulais faire, c'est-à-dire taper sur le pion du bas pour que ça n'a pas fait vraiment ce que je voulais. C'est-à-dire je voulais vraiment taper d'abord sur le pion du bas pour qu'ensuite le pion remonte et avec lui emmène la balle et donc qu'elle rentre dans les cages. Cela dit, le but étant de marquer un but, on a quand même marqué un but et c'est très bien et ça fait plaisir. Là donc on repart, toujours une belle défense de son côté que je dois, et c'est ce que j'ai fait, péter. Là j'ai un tout petit espace mais je le sens pas, du coup je continue à péter sa défense et ensuite moi de mon côté à revenir en défense. Lui bah chaque fois laisse un pion quand même devant ses cages, qui est plutôt bien, c'est ce qu'il faut faire. Là j'ai voulu un petit peu modifier la donne mais ça fait n'importe quoi. Là mon but c'est de pouvoir dégager le ballon pour que je puisse à un moment attaquer. Là ce que je veux c'est attaquer. Il y a très peu de trous,
mais voilà, ça reste jouable. Donc là, important, vous avez vu que juste avant, j'ai vérifié si ça enregistrait, parce que je voulais absolument que ce but rentre, et il est rentré, il est magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Au cas où, si vraiment ça te plaît pas, n'hésite pas, tu me le dis dans les commentaires, tu me dis ce qui te plaît pas, ce que t'aimerais, etc. Moi, y a pas de souci, je peux m'adapter éventuellement, et surtout si l'idée est bonne. Après, si t'es pas un rageur, y a pas de souci, y a pas de problème, hein, pourquoi pas. Alors, je vous dis à tous, à très bientôt. Les prochains matchs vont vraiment être intéressants, parce que là, j'ai joué des matchs de ouf, et faut vraiment que je vous les montre. Mais pour ça, il faut prendre le temps de les monter, etc. Et il y a aussi les matchs abonnés qui vont venir, des matchs que j'ai joué contre certains d'entre vous, et je vous oublie pas. C'est juste que les matchs modestes sont toujours un petit peu plus longs à monter que des matchs live ou des matchs comme celui-là. Voilà, je vous remercie, je vous l'ai dit à tous, à très bientôt, et kiffez la vie parce que elle vous kiffe.